transmettre le salut aux Zouamikati na parole na yo afin que changement de mon ana polele kati na bobo inanga Seigneur yondo zala ka potier yondo zala ka vaseleur au sala mosala na yo kolo poete o pesa ka forme oyo sepela ka ete mon santo azala na ngo po un jour aya ko bika seko na seko e pa na yo ko kisela ka yango na poko ya lelo na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Télémissi Mosakoli et le Rona Mongongo Likota pour la côté à Bissou, sans Romana Mounaseko. Kimia yankolo Yesu Kristo zana moko na moko. Que la paix de Jésus Christ soit le partage de tout un chacun. Yesu Kristo azwa lokumu mingi parce que yenda zali kopesa biso tango pona lokumu na kombo na ye. Que Jésus Christ soit loué, lui qui nous donne ces moments pour la gloire de son nom. Oui, lelo toujours mokona lelo, oui, c'est le 28 octobre 2021. Nous avons reçu la journée d'aujourd'hui qui est le 28 octobre 2021. Et par la grâce de Dieu, nous allons continuer notre enseignement sur les sept sceaux. Et par la grâce de Dieu, nous continuons notre enseignement sur les sept sceaux. Et tout au temps, là, nous lisons les sept sceaux, ils en ont en Apocalypse 12. Et nous voyons comment est-ce que les sept sceaux sont aussi contenus dans Apocalypse 12. Et le lingue aussi, ils en ont en Apocalypse 17, na 18. Et la manière dont elles seraient. Il se retrouve aussi dans Apocalypse 17 et 18. Et en gros, tous les gens ont un texte pour tous en on a quatre Apocalypse 12. C'est pourquoi nous prenons notre texte d'Apocalypse 12. Totélemi pour la litangi. Nous nous levons pour la lecture par la grâce de Dieu. Au bandit à partir du verset 5e. Nous commençons à partir du verset 5. Tito qui est dans le verset 18e. Jusqu'au verset 18. Et Apocalypse 12. Nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Elle enfanta un fils qu'elle doit perdre toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fit enlever vers Dieu, vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert. Moi si akimaki na isobe où elle avait un lieu préparé par Dieu. Wapi azalaki na isika oyo ebongisamaki na Nzambe. Enfin qu'elle fut nourrie pendant 1260 jours. Po ete aleisama kuna kati na mikolokoto moko na kama mibale na tuku motoba. Et une guerre dans le ciel. Pe bitumba ezalaki na likolo. Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans les ciels. Et il fut précipité. Les grands dragons. Yé dalagona monene, serpent ancien, nyoka nakala, appelé le diable, oya biangami diabolo, Satan, Satana, celui qui séduisit toute la terre, oya zalaki kotimbisa mokili mobimba, il fut précipité sur la terre, abwakamaki na mabele, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans les ciels une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé. Et la puissance, et le règne de notre Dieu,
et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les deux ailes du grand aigle firent donner à la femme, enfin qu'elle s'envola au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps. Des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent et de sa bouche, le serpent lançant de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourait la femme. Et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. À ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus, et il s'éteint sur le sable de la mer. Que Dieu bénisse ces écritures saintes. Nous espérons au Seigneur qui est l'enseignant de cette alliance. Nous ne sommes pas des enseignants. Nous sommes faibles. C'est Jésus-Christ qui connaît bien sa parole. Lorsque nous nous levons comme ça, si le Seigneur ne nous assiste, nous ne prêcherons pas non plus. Nous espérons en lui le véritable enseignant. Il est celui qui connaît bien toi et moi. Aébi quelle portion de parole a pu copier sangai pour notre solution. Il connaît quelle portion de la parole il peut me donner pour avoir la solution. Pourquoi la toébi profondeur habiter ma témoin te mibeta tolo ezate. Comme nous ne connaissons pas les profondeurs du cœur, il n'y a pas moyen que nous nous frappions la poitrine. Parce qu'il faut la parole épaisse à propos. Donc suivant le besoin que tu as, ce que tu es en train de dire dans ton cœur, il faut que le Seigneur te le donne. Amen. Surtout
tout, moi je suis faible et je ne suis pas parfait. J'espère toujours en Dieu. Ce qui a yé dans les songes de tout. Si lui nous assiste, alors nous prêcherons. Nous ne savons pas enseigner, le véritable enseignant c'est Christ lui-même. Ces choses ou ces enseignements, c'est Dieu qui nous assiste pour lui la gloire. C'est pourquoi nous disons na yene kembozo. L'honneur, la louange. Le coupé massange. Azo mérité na yango. Le Seigneur le mérite. Dieu vous bénisse. Et par la grâce de Dieu, on avait déjà marché avec le langage. Déjà le verset 5e, par la grâce de Dieu. On avait déjà parlé du verset 5 dans tout calme. Et Apocalypse 12. Apocalypse 12. Nous avions vu dans cette écriture les fils Azanaba promesse. Le fils a des promesses qui s'accompliront sur lui. À compétre toutes les nations. À kokamba di kolonyo somabele. Et tu remarques qui promesse wana. Et nous avons remarqué cette promesse. Dans l'église à Thyatire. Dans l'église de Thyatire. Talaki Apocalypse 2. On avait vu Apocalypse chapitre 2. Verset 26-27. Le verset 26 à 27. Et puis on continuait qui toujours le verset 5e d'Apocalypse 12. Et puis on avait continué toujours au verset 5 d'Apocalypse 12. Qu'on a tombé qui aussi. Là-bas nous avions vu aussi que ses fils s'assoient dans le trône naïe. Que ses fils s'assiera sur le trône de Dieu. Tomoni promesse à trône. On a vu la promesse du trône. Na église y a Laodicée. Dans l'église de Laodicée. Bah yo bah qu'on s'en va vainqueur. À ceux qui vaincront. Vous voyez qui Apocalypse 3. On avait pris Apocalypse chapitre 3. Le verset 21. Le verset 21. Par là te comprendre. Et par là nous avons compris. Que fils wana c'est l'église. Que ce fils là n'est que l'église. Maintenant tu dois qu'il te comprendre comment l'église s'est présentée comme une femme. Maintenant on a voulu comprendre comment l'église qui est présentée comme une femme. Mais place wana va présenter comme un fils. Mais à cet endroit là on l'a présenté comme un fils. Et tinda ki bisoto ke na 2 Corinthiens 3. C'est là que nous avait poussé à aller dans 2 Corinthiens 3. Donc on a vu le verset 18. On avait vu le verset 18. Isolo ba ke tulo tala na nzela miroir. Nous regardons dans un miroir une image. Les lilingi moko. Dans total une image dans un miroir toza transformé à l'image wana tozo koma image wana bisoko. Et lorsque nous regardons cette image dans le miroir, nous sommes transformés en la même image. Miroir c'est toute la parole de Dieu. Et le miroir c'est toute la parole. Maintenant ce qui est dans la parole de Dieu, c'est Christ Jésus. Et ça dit Christ Jésus. Donc tozo tala Christ Jésus dans la parole. C'est-à-dire nous regardons le Christ dans la parole. Bisonyons tozo koma Christ. Et nous tous nous devenons le Christ dans la parole. Yango toba qui sait encore un autre témoignage. C'est pourquoi nous avions rajouté un autre témoignage. Soit qui Ephésiens 4. On avait pris Ephésiens chapitre 4. Total qui à partir du verset 11 et dans verset 14. On avait vu à partir du verset 11 jusqu'à 14. On a bataillé ce qui biso le don du ministère de la parole. Là-bas, on nous avait parlé du don du ministère de la parole. Et tout le monde qui rôle ministère de la parole. On avait vu le rôle du ministère de la parole. Parole les oaka biso église. La parole. Donc le ministère de la parole. Le ministère de la parole nous prend. Les oaka église. Prend l'église. Les oaka misayango lolingi Christ azali. Et fait à ce que l'église devienne comme Christ est. À la stature parfaite de Christ. Na lolenge ya kokuka ben ya Christ. Donc ils ont comme service Christ. Donc le ministère fait de nous des Christ. Ils ont comme service la perfection. Nous amène à la perfection. Tu ajoutes un témoignage pour. On avait rajouté un témoignage. Colossiens 1. Colossiens 1. Verset 27 à 28. Le verset 27 à 28. Kuna Paul azotali sa rôle ya ba ministre de la parole. Là-bas, Paul montre le rôle du ministère de la parole. Bazali enseigner mutu nyonso. Donc, il enseigne tout homme. Afin que mutu wana akoma homme parfait. Afin que tout homme devienne parfait. Ozala sel. Que tu sois une sœur. Il faut comme un homme. Il faut devenir homme. Ozala frère. Que tu sois frère. Il faut comme un homme. Tu dois devenir homme. L'église à Corinthe. C'est pourquoi nous avions pris la lettre que le frère Paul avait écrite
Corinthe, à l'église de Corinthe. Dans 1 Corinthiens 16. Dans 1 Corinthiens 16. Dans verset 13. Au verset 13. Lettre où on est écrit pour l'église mobile. Cette lettre était adressée à toute l'église. Dans la quatre églises, ils ont sœurs, nos frères. Donc dans l'église, il y a des frères et des sœurs. Mais lettre où on est le bien. Mais dans cette lettre, on dit. Soyez des hommes. Pose à la mi-balle. Certains à zozo ananda ou après ça, matin il lettre où on est. Lorsque la sœur rentre à la maison après avoir entendu la lecture de cette lettre. Aboye bisa mutaza ananda. Elle dira à celui qui est à la maison. Paul a loba qui biso to koma mi-balle. Le frère Paul avait dit que nous, même nous les femmes, nous devions devenir des hommes. Que ce soit le frère après avoir écouté la lecture de la lettre. D'après 1 Corinthiens 16, verset 13. D'après 1 Corinthiens 16, le verset 13. Oko mamibali. Soyez des hommes. Donc par là, et d'agibisho to comprendre. Par là, cela nous avait aidé à comprendre. Les fils. Moi dans mon bal. To se rappela qui aussi un enseignement a mis sur trois présentations des hommes dans l'année. Nous nous étions rappelés aussi à notre enseignement sur les trois présentations des hommes dans l'année. Donc t'as dit ça qui est dans l'année. On avait vu voir que dans l'année. Il y a trois présentations des hommes. Et Zali n'a coupé les mamies ça tu y a pas dans mon bal il n'a tempé. D'après Exode 23. On l'a dit Zali comme Exode 23. Au bandage il a verset 14e puis dans 16e. On avait commencé au parti du verset 14 jusqu'à 16. Dans qui aussi, Deutéronome 16, dans Dotéaka, en haut, dans verset 16e aussi. On avait lu aussi Deutéronome 16, le verset 16. On était allé ce biso. Là-bas, on nous avait montré que trois fois par année, les hommes se présenteront devant l'Éternel. Mbalamisa, ton avoula, banamibali, bako, belemaka, liboso, na Yahweh. Na fête à pain sans levain. À la fête de pain sans levain. Oyoyo, ezo sangana na Pâques. Qui est mélangé avec la fête de Pâques. Par rapport à Luc 22, verset 1er. Par rapport à l'écriture de Luc 22, le verset 1er. Maintenant, on avait vu la réalité de cela. Le Seigneur a inauguré l'année par son sang. Le Seigneur a inauguré la nouvelle année par son sang. Lorsqu'il est mort à la croix, a inauguré l'année. Il a inauguré l'année. Et première présentation. Et la première présentation, ils ont salémandé na kati na yemoko. C'est fait en lui-même, le Seigneur. Yango tomona ki ketanga kata ki motema. C'est pourquoi nous avions vu lorsque Jésus a rendu l'âme. Tozoaka Matthieu 27. On avait pris Matthieu 27. Verset 52 et 53. Le verset 52 jusqu'à 53. Atombo ifungwama. Les sépulcres s'ouvrirent. Tangwa sekwi. Lorsqu'il est ressuscité. Ba juste ba bibi da tombo. On dit les justes sortirent de leur tombeau. Ba juste là, ce sont tous les prophètes. Et ces justes là sont tous les prophètes. Et même David bazalaki compté na kati ya mouvement wana. Même David et les autres étaient comptés dans ces mouvements. Et ba koti na village Jérusalem. Et ils sont entrés dans la ville Jérusalem. Yango Paul aussi na ngambo na ye. C'est pourquoi Paul aussi de son côté. Tango azo comprendre l'enseignement. Lorsqu'il comprend l'enseignement, azo talisa que les testateurs devaient mourir. Ah, il montre que mokomi mukanda ya bilaka esengela ki akufa. Vos testaments sont en vigueur. Poete mukanda wana etia mana musala. Les testateurs c'est les pères. Ah, mokomi mukanda wana de tata. Mwana nyonso akoya kosangola libula. Et tout enfant qui viendra hériter les c'est stages, Kazaraka na rein à père. C'est-à-dire qu'il était dans les reins de son père. Yangwa lobi. C'est pourquoi il a dit. Nous sommes morts ensemble avec Christ. Tokufi elongo na Yesu Christ. Ce qui te bénit Yesu papa na biso. Si nous appelons Jésus notre père. Cela veut dire tozaki na kati na ye. Cela veut dire que nous étions en lui. Jamais on causa la mwana ya papa boye sans que ozala na kati ya rein na ye. Jamais tu ne seras le fils d'un père quelconque sans que tu ne sois en lui au préalable. Yango atei na Romains 6, nous sommes morts en Christ. C'est pourquoi dans Romains 6, il a prêché tout couffé le monde en Christ. Enfin, il a formé une seule plante avec Christ. Oui, il a la carte quand c'était mon connaillé Christ. Plante, il y a résurrection. Donc, c'était, il y a l'issue quoi. Yango a yen Ephésiens 2. C'est pourquoi il vient dans Ephésiens 2. Dans verset 6e. Au verset 6. Alors, nous sommes ressuscités ensemble avec Christ. Puis, on s'écoute et l'on a eu Jésus Christ. Assis ensemble dans les lieux célestes. Puis, on s'est dit, on a eu l'on 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 a eu l'
Toi aussi tu étais en lui et tu fus enlevé ensemble avec lui. Mais Nathan Oezali Ozobongisama pour la deuxième présentation de l'année. Mais en ce temps tu es préparé pour la deuxième présentation des hommes dans l'année. Oezala Kana fête à moisson. Qui se passe du temps de la fête de la moisson. Présenté qui en gros pour la cotarisa le temps où Rita Zalaki na chambre. On avait présenté cela pour montrer le temps où. Le temps pendant lequel Ruth était resté dans le champ. Il y a 7 semaines à moisson. Il y a 7 semaines de moisson. 7 semaines à moisson, non? C'est 7 semaines de moisson, bien aimé. Et ça, Elimboya Tanyon sur l'église aujourd'hui. Ces 7 semaines sont les signes de tout le temps de la marche de l'église aujourd'hui. L'église azotambola pendant 7 semaines. L'église marche pendant 7 semaines de moisson. Et la matière déjà sur Yokakian. C'est un enseignement que tu avais déjà écouté. Les années, moi, rappelle pour Nazogelango plusieurs fois. C'est ce n'est qu'un rappel parce que je l'ai déjà repris plusieurs fois. C'est pourquoi j'exhorte toujours à ne pas oublier l'enseignement. Parce que Jésus-Christ a l'obat qui parabole à 4 terres. Parce que Jésus-Christ avait donné la parabole des 4 terres. On a dit la première terre. Et Yoga Gana Ese. Écoute la parole. Mais aussi toi après Boyoka. Mais aussi toi après avoir les oiseaux viennent et enlèvent la semence. A expliqué ça mon oiseau qualité. Jésus explique que c'est celui qui écoute la parole. A avec joie. Et la reçoit avec joie. Mais après. Mais après. Les malins viennent et enlèvent cet enseignement. Satan a ya capé à l'homolité à la montée manaye. C'est la carte aux alakamuto pour sa qualité. Il ne faut pas te réjouir d'être un frère qui oublie l'enseignement. Jésus a l'obagi différente. Jésus avait parlé de différentes. Et toi-même tu sauras si tu es la 4e terre. Parce que c'est un enseignement que nous avons prêché et nous le rappelons tout le temps. Donc il faut vraiment oui, bah. Il faut vraiment que tu puisses le maîtriser. Et si tu ne davantage pour la gloire du Seigneur. Et si tu ne les maîtrises pas encore, va encore les réauditionner pour la gloire de Dieu. On avait montré. L'église en atteint 7 semaines à moisson. L'église marche pendant le temps des 7 semaines de moisson. Et 7 semaines à moisson. Et ces 7 semaines de moisson. Et ça pour l'église a commencé beaucoup. C'est pour que l'église parvienne à la perfection. Il y a moi d'abord le rôle du ministère. C'est ça le rôle du ministère de la parole. Pour l'église est comme un fils. Pour que l'église devienne le fils moi dans mon bain. Comme un statut parfait à Christ. Dans le lendemain de Kokabé, il y a mon toit à l'église. Tant comme une statue parfaite. Lorsque nous arrivons à la stature parfaite, dès après 7 semaines, alors après 7 semaines, il y a moisson. De moisson, des présentations des hommes et salemak encore dans le temple, na année. Alors se fait la deuxième présentation des hommes dans le temple dans l'année. C'est pourquoi nous avions montré ceci. Les nettoie l'enlèvement. Il y a épouse, il y a agneau. L'enlèvement de l'épouse de l'agneau. Donc l'épouse, il y a Christ. Donc moi c'est Alibal et Christ. Oui, Zali, l'église arrivée à la maturité, la perfection. Qui est l'église parvenue à la perfection. Et si les sacanés en grâce de. Donc l'enlèvement n'épuise pas l'année de la grâce. Kebao que de côté ya ba elobeli ya ba scophile na ba ba professeur Moussous. Garde-toi théologie. De prêcher l'enseignement de théologiens. Oh bate sacana grâce si les tango église nettoie. Qui montre que l'année de la grâce s'épuise à l'enlèvement de l'église. Bakangi parenthèse année à grâce. Ferme la parenthèse de l'année de la grâce. Non, c'est une erreur. L'église est dans la deuxième présentation dans l'année. L'église est dans la deuxième présentation de l'année. Et gothique à la troisième présentation, c'est le macanalaire en fête à tabernacle. Et il restera la troisième présentation du temps de la fête des tabernacles. Et tout cela, nous les avons vus dans Exode 23. Alors, à Otosane, Apocalypse 12. Ici, nous sommes dans Apocalypse 12. Total ici qui départ, il y a fils. On avait montré que le départ du fils. Et ça, l'église est comme une abokoki et nettoie. C'est l'église qui parvient à la perfection et qui est enlevé. Mais moi, na oya nettoie. Mais le fils qui est enlevé. Oya zana verset 5e. Qui, dont on parle au verset 5. Tozo mona na simanae. Nous voyons après ce fils-là. Basusu batikali. Il y a d'autres qui sont restés. Wapi. Où? Totali na verset 17. Le verset 17. Nous lisons au nom de Jésus-Christ, Apocalypse 12. Et le dragon fut irrité contre la femme. Et il s'en alla faire la guerre
au reste de sa postérité. Donc, postérité, donc, la postérité est ici au verset 5. Akei. Elle est partie enlevée. Mais reste naïe Kouzouzou Azana verset 17. Mais son reste se retrouve au verset 17. Akoku tanana bitumbana dragon. Va croiser les combats contre les dragons. Yangonde tolobaka, grande tribulation. C'est pourquoi nous parlons de la grande papasi yamakasi. Yangonde tolobaki boy. C'est pourquoi nous avions dit ceci. Zambe tango asala Eve. Lorsque le Seigneur avait formé Eve, ayebaki ke Eve akobota avec douleur. Il savait déjà que Eve enfantera avec douleur. Maintenant, lorsque le péché est entré dans le monde, na verset 16e, au verset 16, il y a Genèse 3, de Genèse chapitre 3, le Seigneur a émissé la femme. Le Seigneur dit à la femme, j'augmenterai les souffrances de tes grossesses. Na kubakisaka papasi ya kubota na yo. Ce qui a bakisi. Donc si le Seigneur augmente, c'est que ezalaka. Cela veut dire les souffrances ou les douleurs d'abord comme ça existaient. Maintenant, souffrance à kubota. Maintenant, les douleurs d'enfantement. Tozomona yango. Nous le voyons. Na verset 2. Au verset 2. Apocalypse 12. L'Apocalypse 12. Elle était enceinte. Azala ki na zé. Et elle criait. Azala ki ko ganga. Étant en travail. Poet azala ki na kata pa. Et dans les douleurs de l'enfant. Na kata ba basi ya kombota. Par là, tous on comprend. Par là, nous comprenons bien. Les logos. Aujourd'hui. Tous en travail. Tozali na kata pa si ya kombota. Yangonde Jean 16. Et c'est ça Jean 16. À partir du verset 20 à verset 24. À partir du verset 20 jusqu'à verset 24. Le Seigneur a le biboyé. Le Seigneur dit ceci. Jean 16, verset 20 à verset 24. Jean 16, le verset 20 à 24. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. En vérité, je vous l'ai dit. Nabosolo nazoe misabino. Vous pleurerez. Bokolelaka. Et vous vous lamenterez. Pe bokozalaka na mine. Et le monde se réjouira. Pe mokile kosepelaka. Vous serez dans la tristesse. Bokozalaka na mawa. Mais votre tristesse se changera en joie. Pe mawa na bine kubongwa na ka esengo. Jésus ta nazolo ba makamboy. Lorsque Jésus disait ces choses. L'œuvre de la croix, c'est le magina noté. L'œuvre de la croix n'était pas encore accomplie. Donc c'est que, c'est-à-dire, Jésus a préparé qui que moi si Ève dans la réalité. Jésus avait préparé que la femme Ève dans la réalité des choses. Oui, ça, l'Église. Qui est l'Église du Seigneur. Donc Bisso. Donc nous les. Otangi ba Pierre, ba Jean, ba Jacques. Tous les apôtres. Ba Paul, n'egi ba Goya. Comme il vient. Na batunyo so bayi na sima baoba kwa baoba kwa na parole pe bakozwa ka Saint Esprit. Jésus ta azota la boyi déjà. Lorsque Jésus regarde dans sa vision, a bongisé la vie sous souffrance, douleur d'enfantement. Il nous avait déjà préparé les souffrances, les tribulations qui sont les douleurs d'enfantement. Avant que l'Église ne soit manifestée. Avant que l'Église ne soit manifestée. Yango tozoloba. C'est pourquoi nous disons. Dans le jardin d'Eden. Dans le jardin d'Eden. Dans Zamba osa la Eve. Lorsque le Seigneur formait Eve. Tiens connaît les fitiers. Zamba yebi lobi. Aébi kenazo sala ye. Il connaît que je forme là-bas. Akobo taka na passe. Elle accouchera avec douleur. Nous venons le voir dans Jean 16. Pour déjà annoncer sur Ève. Parce que déjà le Seigneur annonce sur Ève de la réalité. Ève est la réalité où ils ont maintenant Église. Ève de la réalité qui est l'Église. Mais déjà, l'Église n'en a pas mis manifesté. Et déjà, l'Église n'est pas encore manifestée. Il parle de ses douleurs. C'est qu'avant Ève, quand elle a manifesté, elle ne s'en pas bon, c'est la cahier. Cela veut dire avant la manifestation de la femme Ève, le Seigneur l'avait déjà préparé des douleurs. C'est pourquoi nous voyons de la réalité. Yango Église a manifesté par l'œuvre de la croix. Avant que l'Église ne soit manifestée par l'œuvre de la croix. Déjà le Seigneur avait dit que vous serez dans les douleurs.
à continuer. Il continue. Alobi, mais votre tristesse changera en joie. Maintenant, on compare ma souffrance. Maintenant, il compare les souffrances qu'on devrait faire. Verset 21 à Jean 16. Le verset 21. Azu en Bonigini. La femme, lorsqu'elle enfante, moi, si ce qui a sali na bumba kobo, éprouve de la tristesse. Yé azwaka mapasi. Parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné les jours à l'enfant, kasi ce qui a boti mwana, elle ne se souvient plus de la souffrance. A kanisa kanisu soute pasi na ye. À cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Likolo yesengo oya salaka na ngolo lenge moto abota mi. On voit le mouvement atteint à verset 21 à Jean 16. Vous voyez le mouvement qu'il a mis au verset 21 de Jean 16. Sur douleur enfantement. Likolo va passer à Kobo. Ayen à verset 22. Maintenant il vient au verset 22. Vous donc aussi. Binope lo lenge moko. Vous êtes maintenant dans la tristesse. Vous allez le long na katia mawa. Mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira. Na koya komo na kabino pe moté manabine ko sebela. Et il ne vous ravira de votre joie. Pe moto mokota ko boto la kabino. Donc as une femme en travail. Donc le Seigneur prend la femme en douleur d'enfantement. Vous donc aussi. Bino pe loko la moisi asen. Ozora na mala. Amen. Yangonde tomoni yango na Apocalypse 12 verset 2. Et c'est ce que nous avons vu dans Apocalypse 12, le verset 2. La femme était enceinte. Moi, c'est Asalaki Nase. Elle était en travail. Asalaki na katia pasi a et elle criait. Paix à son ganda. Bakriwa ne zapona douleur. Ces cris-là, ce sont des douleurs. Bakriwa na vie na biso. Ces cris-là dans nos vies. Et ça, ma situation, ce difficile, tokutana kanaya. Ce sont toutes les situations difficiles que nous croisons. Ma problème. Des problèmes. Le lingue monde des années qu'on s'attaque à la justice de Dieu. Comme la manière dont le monde s'attaque à la justice de mais Dieu. Mais la parole est recommandée au garder fidélité à la parole. Mais la parole te recommande à garder la fidélité à la parole. Tant qu'on garde la parole. Et lorsque tu gardes la parole. Devant ma situation, nous sommes dans le monde. Devant toutes les situations qui sont dans le monde. Pour, yo, pour toi. Tu es en train de crier aux gens en douleur d'enfantement. Aux gens qui sont en train de gang, en pas de gang. Tant qu'on est en train de se faire. On peut te calomnier. Mais les cambos, ils en ont. Mais tu ne l'as pas fait en ta calomnie. Et tu vas souffrir dans la tristesse. Ce sont des cris. Et ça, qu'on garde la à moi, c'est assez. Suivez attentivement. Donc, c'est que. C'est-à-dire. Dans tout cela. Ma cambo est belé. Il y a beaucoup de choses. Que Dieu. A salaka. Fait. Na katia vina biso. Dans nos vies. Et ça, la pour protéger biso. C'est pour nous protéger. C'est ce qu'il faut y aimer. Et c'est ce que tu dois savoir. C'est ça la vie des enfants de Dieu. Il y a bon de bon mon yaba en ensemble. Donc, au coup de temps très dit. Tu peux croiser des temps très difficiles. Mais si le Seigneur doit te protéger. Parce qu'il s'appelle Seigneur yaba te la. Dieu est grand. Zamba zali monene. Natan kala. Natan kala. Au temps ancien. Donc, Nathan, dans la banéwe, les kaki, à peu près ce qui, n'a pas 2000 et quelques, tout ça. Dans les années passées, l'an 2000, par exemple. Bah, 2000 et quelques. En 2000 ans passés. Tellement que tout ça, là, qui concerne la mission, la radio, bah, ma cambébéré. En l'an 2000 ans, tellement que nous faisions des émissions à la radio, à la télé. Bah, ennemis à vérité. Les ennemis de la vérité. Bah, concerne la mission aussi, ma cam. Ils nous avaient calomniés. Alubi vraiment que ils avaient vraiment dit le frère qui a là le frère qui a là Azali ko s'opposer na président de la République. Il s'oppose au président de la République. Azali ou azuluka sana coup d'état. Il est celui qui cherche à faire un coup d'état. Maté anayazo s'attaque. Il s'attaque au président de la République dans ses enseignements. Alors bakoma ki infraction. Maintenant, l'infraction. Ce qui. Atteinte à la magistrature suprême. Atteinte à la magistrature suprême. Alors, c'est que là, qui va pour
Maintenant, il fallait qu'on puisse m'arrêter parce que je m'attaquais au président de la République selon eux. Or, c'était des mensonges. Or, il y a des gens qui sont ennemis en vérité. Il y a des gens qui sont les ennemis de la vérité. À cause de la vérité, mutabo linga okufa. À cause de la vérité, on peut désirer même ta mort. Moi je ne connaissais pas. Je suis à Kisanga. Nazali, Nazali, j'étais endormi à la maison. Na putuana. Pendant la nuit. Le Seigneur m'a visité 5 fois la nuit à Zoloba. Le Seigneur est venu me parler 5 fois pendant la nuit. Alobi, il dit, tu dois quitter ce pays. Et Seigneur le Longwa Mboka Oi. Il faut bima pays. Donc Seigneur le bima Mboka au Congo. Habitissez. Oyebi. Moi je suis Dieu. Mais tant que vous avez un programme, mais lorsque les gens avaient le programme de me tuer, j'avais aussi songe par Joseph. J'avais donné aussi les songes à Joseph. Sois Marie. Prends ma Namoua. Et l'enfant. Qui m'en a éclairé l'Égypte. Et fuyez en Égypte. Tu dois quitter vite le pays. Et Seigneur m'a message où les ogiles en a coûté 5 fois. Ce message m'est revenu 16 fois d'affilée. Tu dois quitter. Et Seigneur m'a manqué. Je me suis réveillé. Na ici mon épouse bénie. J'ai dit à maman bénie mon épouse. Le Seigneur m'a dit na bimambo. Nzamba ici ngai na longwa soka. Koloka. Maintenant. Ici na. Il m'a dit elle m'a dit. Et kamonino. Qu'est-ce qu'il a insisté 5 fois. Le Seigneur a insisté 5 fois d'affilée. Je ne peux pas supposer n'avoir. Na kuki kote le mela mongongo anate. Nous n'avons pas d'argent. Ici mon épouse, j'ai dit à ma femme, si Dieu donne la vision, ce qui nous appelle à pécier mon il faut appeler ça la provision. Et Seigneur, il va appeler ça l'aider à moi. Vous voyez, tu vois, pas 5 heures. Je suis debout ici à la porte. En sortant de la porte, je vais croiser celui qui va me donner l'argent du billet. Si la vision est de Dieu. Ce qui est mon Iseléou, c'est pas ça. Mais c'est vrai. Il dit c'est vrai. Il dit oui. Si Dieu donne la vision, il doit donner la profession. Ce qui nous a pas pensé, mon Iseléou, pense à taper par le lingé à moi qu'on qui s'en va. N'a pas mis là bas 5h30, on a pas 6h. Je suis sorti à 16h là. Et place n'a gagné. Et là où je m'étais rendu, n'a sans béni pour la bandeau. J'ai prié pour les frères. Tant qu'on a zo bima. En sortant. Que Dieu m'a donné la recommandation, il m'a vite les pays, mais je ne sais pas. Et je leur ai dit que le Seigneur m'a dit de sortir vite de ces pays, mais je ne sais pas comment faire. Les frères étaient allés m'accompagner au dehors. Tant qu'on a zo kende, tu bimiti le pain. Et en sortant de la parcelle, ils m'accompagnaient. Il m'accompagnait. C'était la maman. Ah, c'était une maman qui m'accompagnait. Et arrivé en route très tôt matin, je l'ai dit. Papa. Il dit papa. Moi, il faut que je paye le billet. Je suis rentré. On est rentré encore à la maison. Il m'a donné l'argent du billet. J'ai dit à mon épouse que je t'avais dit. Si Dieu est dans la vision. Ce qui ne s'est pas passé mon ici. A copé sa provision. A copé sa belle olégué. J'ai l'argent des billets en main. Nasa n'a pas ma billet dans ma beaucoup. Ah mais c'est vrai. Oui, Dieu est grand. Nous avons pas ça mon ici. Je dois quitter. Et Seigneur n'a quitté. Mais pour sortir. T'as si bon à copier. Le Seigneur me dit. Il faut son billet de Malou Air Service. Tu dois acheter le billet de Malou Air Service. Malou Air Service est bandaki musala na bango neti yako yako kumba bato na kisanga nizalaki neti moi test kaka neti moi rodage bazo mekaneti bazo banda bazaki suki na ba 4e jour bien une semaine. Avaient commencé leur voyage à Kisangani, c'était seulement du rodage et ça a été. Société aérienne CA. À ce temps-là, c'était seulement CAA. La société. Et son concurrent est. Donc, ceux qui montent à la CA. Donc, si tu montes par CA. Il faut quitter l'aéroport Kanji. Il faut descendre toujours à Kinshasa dans l'aéroport de Ji. Mais Malou Service et bandi moi service dans moi tant moqué on a quelques jours. Maintenant Malou Service a commencé seulement ses services durant peu de temps. Le Seigneur m'a dit que nous sommes habillés pour nous. Et le Seigneur m'a dit va là-bas acheter le billet. Na son billet. J'ai acheté le billet.
Et Malou service descendait dans une autre commune. Na Barumbu. Ah, dans la commune de Barumbu. Alors, à qui pas aéroport? Je suis allé à l'aéroport. Na voyage à Netika Mutazo qui n'est pas pembe na latika ma papa na training. J'avais voyagé comme un simple homme qui faisait comme un. Évangile au bout d'un moment on dans l'évangile tu vas rencontrer beaucoup de choses bien aimé. Au lieu que je monte à CA, je suis monté dans Malou. Or, na aéroport, sécurité. Or, à l'aéroport, on m'attendait déjà par les agents de sécurité à Djil. Avion pour la CA est quitté. L'avion aussi de CA est descendu. Aéroport, il y a Bamboka na Kisangani. Et penser que le frère qui a été à l'aéroport de Bangoka, il doit nécessairement être dans CA. Or, société Mokoui Bandaki Peba Transport Air One. Donc, après que le vol dans la société, on est Katanango Ba Transport Kuna. Donc, seulement après le vol que j'avais pris à Malou, Malou avait coupé ses transports de Kisangani. Azongela na Elini, ya Kisangani, Kishasa, Ba Bandundu, Ba Bakongo. Et puis il a repris ses lignes aériennes de Kinshasa, Bandundu, Bakongo. Il m'a lui été venu seulement pour me préserver. Donc, na kiti. Je suis descendu. Na Barumbu. Dans la commune de Barumbu. Na benga ki déjà frère Moko a utaki Brazzaville. J'avais déjà appelé un frère. Et c'est Katisa ya kozwanga diema dina bimamba. Traverse et viens me chercher vite parce que Dieu m'a dit de vite sortir de ce pays. Aye kozwanga na Katisa. Il est venu me chercher, j'ai traversé. Maintenant, chef de sécurité na kata Kisangani. Maintenant, le chef de sécurité Redo. Dans la ville de Kisangani, Redo. Batindi yekaluka qui a la peau à Zoya Kangai. On l'a envoyé chercher les frères qui a la pour les capturer. Sanction Ezali, magistrat, ce qui est. Outrage. Outrage à la magistère. Magistratie. Dans la prévention ou l'infraction, c'était outrage au président de la République. Na bureau et Redoc, frère, na biso moko pazara. Au bureau là du Redoc, il y avait aussi notre frère là. Numéro 1 en sécurité en province d'Atala. Le numéro 1 de la sécurité de province d'Atala. On nous a envoyé arrêter cet homme. Et Azali, Matéa na isoté, mais la présidente. Que ses enseignements s'opposent au président de la République. Moi, je suis ses prédications, il n'appuie pas la politique. Là, c'est Redoc qui le dit. Non. Non. Il a d'abord envoyé les gens aller vérifier si je suis là-bas. Frère, le frère est venu jusqu'à la maison. Il n'a trouvé que ma femme. Mandawa. Il lui a tout raconté à propos du mandat d'arrêt. Là, moi, j'étais déjà sorti du pays. Nazana Braza. J'étais à Brazzaville. Par l'avertissement du Seigneur. Na oyo zamba ye bisakinga yambo na sara. Ezana makambo ebele lokoma kana tawa. Il y a beaucoup de choses qui s'étaient dites. Mais nous savons que ce que le Seigneur alobaki ke na tawa na tin murapa. À protéger. Mais nous savons que si le Seigneur avait dit Natango Kokufate à combattre là. La vérité, tu dois toujours prêcher la vérité dans condition nios. Il faut prêcher la vérité en toutes circonstances. Tu dois respecter les autorités. Et c'est que le tout ça va cambiar. Et c'est ce que nous faisons. Et yangon de mais nous prêchons toujours la vérité. Mais nous ne prêchons que la vérité de la parole. Mais les ennemis de la croix va formenter quelque chose pour. Ils ont créé des choses, je ne sais pas pour que tu sois mise où. Donc cela veut dire à cause de cette vérité, l'icolo ya bo solo zali na kotato là, tu vas rencontrer beaucoup de choses. Tu vas rencontrer beaucoup de choses. Mais redresser toujours la tête. Il faut témoigner toujours la vérité. Essayez le tato la bosso. Oh, rejeter la parole. Ne rejette pas la parole. Parce que Dieu est puissant et Dieu est grand. Azon veille les colonnes à yo à boutique à yote. Parce qu'il veille sur toi, il ne t'abandonnera jamais. C'est le Redoc qui a province à raconter qu'il y a un temps où on a place un des confrères à commission on a dit qu'on a signalé. C'est à ce moment-là que l'isolant a dit qu'il quitte le pays. C'est en ces temps-là que j'avais appris ce que le Seigneur m'avait dit dans le songe. Donc Dieu
Si quelque chose, veillez sur rien. Si tu dis quelque chose, il faut veiller sur ça. C'est très important. Dieu parle par les songes, par des visions. Le Seigneur a l'obaka. Et le Seigneur parle. Que Dieu bénisse. Amen. Donc c'est que tu as d'abord que des situations difficiles au coup dans ta vie. C'est que nous montrons que les situations difficiles que tu peux croiser dans ta vie. Le Seigneur a considéré comme douleur d'enfantement. Mais maintenant, Azobe sur le langage de tribulation. Maintenant, le Seigneur l'appelle aussi dans le langage de tribulation. Les tribulations que beaucoup sur la terre. Les tribulations que vous allez croiser sur la terre. Il y a une douleur d'enfantement. Mais après naissance, tant que nous sommes le fils qui est la perfection. Mais après l'enfantement du fils que nous allons donner au monde. Ce fils-là, il a comme la perfection comme Christ. Ce fils-là, c'est nous-mêmes qui parvenons à la perfection comme Christ. Donnez-toi mis. Nous sommes enlevés. La femme était ni sous la femme et ça, il y a augmentation, il y a douleur d'enfantement. Et l'autre étape que la femme va vivre, c'est l'augmentation des douleurs de l'enfantement. Cette augmentation de douleur de l'enfantement, après notre départ, les choses difficiles qui viendront après l'enlèvement de l'église. Il y a une quatrième saut. C'est ça, la deuxième partie du quatrième saut. Dans la deuxième partie, nous avons dit le bâti. Dans la deuxième partie, comme nous l'avons dit. Au moins, le verset 8. Vous voyez le verset 8. J'ai regardé, voici par un cheval d'une couleur pâle. Il y a Apocalypse 6. Celui qui l'est monté s'est nommé la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Donc, point au bâtir. Donc, c'est point qu'on a mis. Et ça, étape Mobimba ici. C'est toute une étape qui a pris fin. Maintenant, le pouvoir leur fit donner. Ma coquille est pesameli bango. Donc, ma coquille est pesameli à la mort. Donc, le pouvoir fit donner à la mort. Et na séjour des morts. Et au séjour des morts qui l'accompagnait. Donc, un basui, pouvoir leur fit donner. Donc, on a pris les pouvoirs et on leur a donné. Le pouvoir leur fit donner sur les quarts de la terre. Pour faire périr les hommes par l'épée. Par la famine. Par la mortalité. Et par les bêtes sauvages de la terre. C'est ça, grande tribulation. Yango reste ya postérité. C'est pourquoi les restes de la postérité de la femme va croiser toutes ces choses difficiles. Yango ne bazota ni sabango awawa na Apocalypse 7. C'est pourquoi on le montre ici dans Apocalypse 7. À partir du verset 9. À partir du verset 9. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Tiens, verset 15. Jusqu'au verset 15. Après cela, j'ai regardé et voici il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. Nazana Apocalypse 7 verset 9 verset 15 que personne ne pouvait compter. De toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Il se tenait devant le trône et devant l'agneau, revêtu des robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et il criait d'une voix forte en disant: le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône
mikolo na kwende et à l'agneau pe na mwana pate et tous les anges pe bange nous bange se tenaient autour du trône bango bazala kinzinga tinga kwende et les vieillards pe bampaka et les quatre êtres vivants pe di kela mumine na bomo et ils se prosternaient sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant Amen. Voilà la commune verset 12e, il y a Paul 7. La louange, la gloire, la sagesse, l'action des grâces, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus des robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, qui les sait? Le Seigneur aime cette réponse. Oui. Et toujours te voir que tu ne connais pas, tu es un ignorant. Il aime que l'homme se rabaisse devant lui. Lorsque Pierre avait répondu, les gens pouvaient croire que c'était Pierre. Jésus, il fallait Jésus qui disait Pierre, Pierre. Ils ont la chair naissante. Ils ont tout opté, ma casse n'a eu de aussi. Ils ont mon père n'a eu pas su, ma campagne. Ils ont tata n'a eu de pas su, et mon Isseli. Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, en verset 14, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Grande tribulation, c'est ça l'augmentation à douleur d'enfantement. Et pas y a ba trois compagnons de Daniel et Zali, fournaise et a chauffé sept fois plus. Chez les trois compagnons de Daniel, c'était la fournaise chauffée sept fois. Augmentation. Donc, Kobakisama. Nous aurons un malin. Amen. Voilà, Daniel a zalakité. Et là, Daniel n'était qu'à trois. Il n'était qu'à trois. Daniel a zalakité déjà élevé pour la révélation. Daniel était déjà élevé dans la cour royale à cause de la révélation. Et l'église a commis la perfection. Les signes de l'église parvenus à la mais perfection. Naïe, mais ses amis, Bamoni statue dressée. Ils ont vu vraiment la statue. Adoration et abeille. L'adoration de la bête. A résisté. Ils ont résisté. Alors ils sont entrés dans la fournaise. Mais tant que vous avez chauffé plus encore. Mais en entrant, on a chauffé sept fois encore la fournaise. C'est ça l'augmentation. Il y a de la douleur. Ah ouais, tout ça, c'est la grande tribulation. Ici, c'est la grande tribulation. Alors, l'écriture le dit. L'écriture dit. Dans verset 14, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé les robes. Et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Et c'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu. Ils les servent jour et nuit. Dans son temple, celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Nous parlerons de cette tente quand on parlera du millénium. Celui qui est assis sur eux, qui est assis sur le trône, dressera sa tente sur elle. Ça se fera au millénium et nous en parlerons par la grâce du Seigneur. Maintenant, ici, beaucoup de frères éprouvent des difficultés. Erreur résout à wapi. D'où provient l'erreur? Pour d'autres gens, l'année à grâce ici de tango église à nettoyer. L'année de la grâce s'achève à l'enlèvement de l'église. Tango année à grâce ici. Lorsque l'année de la grâce s'achève, il rigole au bas les sangs. Le sang est sans grâce, le sang est ajouté. Et comme le sang c'est le sang de la grâce, il n'y a plus de sang. Le sang est ici. Et le sang aussi a pris fin.
Vous voyez, si le Seigneur t'apparaît quand tu prêches d'autres enseignements, tu vas fuir la chair devant le Seigneur. Tu vois vraiment le Seigneur dans sa colère. Parce qu'il va te poser la question, comment Israël sera. Ce sera par un autre sang. Qui viendra sauver Israël après? Donc, l'esprit était que pour toi. C'est ça? Maintenant, après toi, comment Israël sera sauvé? Et tout cela, c'est quand on prêche les commentaires théologiens. Évangile éternel. Et puis il nomme son enseignement évangile éternel. Et lui-même sait qu'il avait lu dans les commentaires du théologien Scofield. Maintenant, remarque comment l'écriture parle des choses de Dieu. Na année dans l'année bien aimée. Ezalaki kozala na fête moko bazako bengango jour ya expiation. Il y avait une fête qu'on appelait le jour des expiations. Eza na Lévitique 16. Et cette fête se trouve dans Lévitique 16. Ezalaki kozala une fois l'an. Et cette fête se faisait une fois dans l'année. Pe kaka yango soki salemi de jour wana nganga nzambe monene akotaka na très saint. Et c'est seulement pendant cette fête là que le souverain sacrificateur entre dans le lieu très saint. À part ce jour wana, à part ce jour là akotaka na très saint, il n'entre plus dans le lieu très saint. Na année mobimba, donc pendant toute l'année, le souverain sacrificateur akotaka mokolo moko na le très saint. Le souverain sacrificateur n'entre qu'une seule fois dans le lieu très saint. Et zalaka na Lévitique 16. Et cela se trouve dans Lévitique 16. Donc, tant que ce n'est pas Makila wana, lorsqu'il asperge ce sang-là, Makila wana kangaka ane mobimba. Et ce sang-là couvre toute l'année. Après ane mosusu, et après une autre année, il entrera encore dans le lieu très saint. Nous nous faisons bien comprendre. Maintenant, vous allez remarquer aussi, bien-aimé, Christ et Jésus, Christ et Jésus, à côté une seule fois, n'est entré qu'une seule fois pour tous. Il n'est venu se sacrifier qu'une seule fois. Selon Hébreux 9, selon Hébreux chapitre 9, au tangi verset 25, au kétina verset 27. Tu lis le verset 25 jusqu'au verset 27. A profit une seule fois à la fin. Jésus est mort une seule fois pour toutes à la fin des temps. Maintenant, il a versé son sang pour toute l'année. Alors l'église, comme la perfection, n'a été. Donc l'église qui parviendra à la perfection sera enlevée en été. Prophétique tout à l'issakamo. Nabi Sapoeli, on l'avait fait voir. Dans Matthieu 24. Dans Matthieu 24. Na été wana nezalaka na deuxième présentation de l'année. C'est en été qu'il y a la deuxième présentation des hommes dans l'année. Na fin ya fête à moisson. Na souka ye loulou ya kubuka. D'après Exode 23. Totanga ka verset 14, et même la verset 17. Le verset 14 jusqu'au verset 17. Dieu bénisse. Amen. Maintenant, l'œuvre de Christ n'est que salémi. Maintenant, l'œuvre de Christ est telle que c'est accompli. Il y a un bon déco salamé, misalamio, c'est quoi, vous serez après. Et c'est ce qui va aussi accomplir toutes les. L'olégué était témoin, par quoi, à côté à Israël. La manière dont les deux témoins viendront prêcher Israël. Zambeta kayoke naka Israël mawa. Lorsque le Seigneur a pitié d'Israël, Abeta kaba nation. Il châtie le nation de la terre. Pour Israël, c'est la miséricorde. Pour Israël, c'est la miséricorde de Dieu. Mais ma nation a zo beta ba. Mais c'est une frappe sur les nations. C'est ça, psaume 136. Il y a mon psaume 136. L'écriture est le vivant. L'écriture dit ceci. Parce que l'homme ne se faut comprendre. Parce que tu dois comprendre toutes choses dans les écritures. On a la difficulté de témoigner. Que tu n'aies pas de difficulté à témoigner la parole. Le verset premier.
Louez l'Éternel car il est bon. Beaucoup misayawe pointe azali malam. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Car sa miséricorde dira toujours. Pointe ma wana yezo me la libela. Nous en psaume 136. Zoa verset 1 dit même dans verset 15. Même dans verset 17. Louez le Dieu de Dieu. Car sa miséricorde dira toujours. Louez le Seigneur des Seigneurs. Car sa miséricorde dira toujours. Celui qui seul fait des grandes choses, des grands prodiges. Car sa miséricorde dira toujours. Celui qui a fait les cieux avec intelligence. Car sa miséricorde dira toujours. Celui qui a étendu la terre sur le seau. Car sa miséricorde dira toujours. Celui qui a fait les grands luminaires. Donc soleil, lune, étoile. Car sa miséricorde dira toujours. Le soleil pour présider au jour. Car sa miséricorde dira toujours. La lune et les étoiles pour présider à la nuit. Car sa miséricorde dira toujours. Celui qui frappa les Égyptiens dans leur premier-né. Donc, tant qu'ils ont bêta l'Égyptien, Israël a Zolobani. Car sa miséricorde dira toujours. Donc, quand il tue le premier-né de Pharaon, oh Israël, bien, mawanzambe. Israël, bien, mawanzambe. Et fit sortir Israël du milieu. Car sa miséricorde dira toujours. Amen, fort ta bras étendue. Car sa miséricorde dira toujours. Celui qui coupa en deux la mer rouge. Car sa miséricorde dira toujours. Qui fit passer Israël au milieu d'elle. Car sa miséricorde dira toujours. Et précipita Pharaon et son armée dans la mer rouge. Car sa miséricorde dira toujours. Donc, dans Zambé, Pharaon armée dans la mer rouge. Lorsque le Seigneur précipite Pharaon son armée dans la mer. Israël, bien, Mawan Zambé, ou Melangase, Israël témoigne que la miséricorde de Dieu dira toujours. Mais ce qu'il dit Pharaon, et Satan, Mawan Zambé. Mais si tu dis à Pharaon, c'est la miséricorde de Dieu. Ah, oui, c'est l'ongoua, parce qu'on venge, on a la soukouf. Ah, tu dis, on te venge. Donc, on va bien dire vengeance. C'est ce qu'on appelle vengeance, bien-être. Et ça pour l'ennemi. Donc, c'est pour l'ennemi. Mais pour le peuple de Dieu. Mais pour le peuple. Grâce. C'est la grâce, la miséricorde de Dieu. Grâce. C'est la grâce. Tant pas on va les jours de l'éternel, les heures. Tant pas on va mon colaca. Les jours de vengeance. Mon colaco bétaba tonamabé nabango. Mais Zamba va frapper la terre pour préserver Israël. Mais le Seigneur va frapper la terre pour préserver Israël, son peuple. Il y a où le psaume 136? Et c'est ça, psaume 136. Que le Seigneur abonde la vie richement. Que le Seigneur vous bénisse richement. Et que par la grâce de Dieu, donc on continue le mieux à vendredi, je pense bien. Et que par la grâce de Dieu, nous allons continuer demain vendredi. Nous voulons toujours parler un petit moment. Et par la grâce de Dieu. Nous allons toujours aller comme ça par la grâce de Dieu. L'élo total ici surtout. Aujourd'hui, nous avons surtout montré que le fils que le fils qui fut enlevé au verset 5 azana ba oyo batikali o baza na ye libota moko na verset 17. Ce fils là a ses frères ou les restes qui sont de la même famille et qui se retrouvent au verset 17. Yamo tozolo bake. C'est pourquoi nous disons tozoki lembo. On avait pris un signe. Daniel n'a pas frère naï. Daniel n'a pas de conaï. Anania Azar et Michael. Anania Azar et Michael. Oyo ba Babylonien basakobenga Shadrach, Meshach, Abednego. Que les Babyloniens appelaient Shadrach, Meshach, Abednego. Dans le songe, il y a Nebuchadnezzar. Lorsque le songe de Nebuchadnezzar est venu, Daniel baki ensemble n'a pas de conaï. Daniel est allé ensemble avec ses compagnons. Bazoaki révélation ya situation. Ils avaient reçu la révélation de cette situation. Donc il a pensé qu'il y a un bombardement. Dans ce qui était un mystère. Mais Daniel a yebi angope, ma frère na yebi ba yebi. Et Daniel,
Et Daniel l'a connu et l'a dit même. Donc, Bazala qui a l'enseignement révélation. Donc, ils avaient l'enseignement de la révélation. Mais tant que Daniel a présenté en haut. Mais lorsque Daniel l'a présenté. Daniel a été élevé au niveau cour royale. Daniel fut élevé au niveau de la cour. Azané dit élevé église ya boye yebi makambisa mystère nazolo bayango. Mais Daniel est comme le signe de l'église qui connaît des mystères et qui les dit. Après avoir prêché. Anasima côté. Aza. Monté dans le trône. Daniel fut enlevé au trône. Mais maintenant, on est sous Vatican. Mais les compagnons, ses compagnons. Trois compagnons. Trois compagnons. Bango Bamoni, Nebuchadnezzar a sali Iki. Et ils ont vu Nebuchadnezzar ériger une statue. A ordonné Mabene Mobimba et adoré. Et il a ordonné que toute la terre puisse l'adorer. Et ça tient adoration à Bet. C'est le temps de l'adoration. Bango Baboy adoration. Et ses trois compagnons ont refusé. Ma mérita qui Babouma Bango. Ils avaient mérité. Mais, roi Lobina, Daniel 3, wana, mais le roi a dit dans Daniel 3 au chauffer fournaise 7 fois encore. Donc fournaise ça vous a chauffé une fois. La fournaise n'était chauffée mais pour la bango est commis 7 fois plus. Mais pour ces trois compagnons c'était 7 fois encore. Donc il commis augmentation et douleur. Mais le col en zamba zala qui n'a bango. Mais comme le Seigneur a quoi adorer. Ils ont refusé d'adorer la bête. Balikanamoto. Ils ont vaincu le feu, la fournaise. Ozora na mala. Amen. Yangonde eleva bango. Et c'est ce qui les avait élevés. Là, ils ont dit ça que reste la postérité bazali. Cela représente qu'il y a aussi les restes de la postérité qui fut enlevée. Après l'inéto anabato yoba koma na boko ki l'église. Après l'enlèvement de ceux qui parviendront à la perfection. Basusu babotikala. Il y a d'autres frères qui vont rester sur la terre. Bah, et qui enseignement. Et qui maîtrisent bien l'enseignement. Bangonde obazala ki trop distrait na makambo mosusu boko. Et ce sont ces frères là qui étaient très distraits par les soucis du monde. Bah, mokutana ne na dragon. Ils vont rencontrer les dragons en personne. Ce sont eux qui vont passer la grande tribulation. Oh, Apocalypse 7. Dont nous parle Apocalypse 7. Amen. Vous permettez de faire des écritures. Apocalypse 13. Apocalypse 13. Verset 7. Au verset 7. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Après Nautin, Apocalypse 15, à partir du verset 2. Le Pessie Apocalypse 13, verset 7. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Il lui fit donner de faire la guerre aux saints. Et Pessamela qui est ma coquille a bondi sa bassante. Et de les vaincre. C'est une prophétie n'est pas aujourd'hui. Donc la bête va vaincre. La bête. Les saints. Les saints. Les frères qui vont rester ici, nous les saints et les saints. Et d'autres saints sont. Mais d'autres saints aussi vont rester, seront là du temps de la bête. Et la bête va les vaincre en les tuant dans la chair. Amen. Parce qu'elles sont vainqueurs des nations. Oui, t'as ça. Les nations sont comme la chair, comme poussière. Les nations sont comme la chair, la poussière. Et donc c'est comme cette chair, c'est comme. Jésus a le bakina. Matthieu 10. Jésus avait dit dans Matthieu 10. Bobanga te wo azo kuma musuni. Ne craignez pas ce qui tue le corps. À permettre que vous allez envoyer kuma musuni. Jésus a attesté par là qu'il y aura ceux-là qui vont tuer le corps. Mais banga oya kuma yango pa ko yuko memango na moto. Mais il faut craindre celui qui peut tuer le corps et jeter l'âme dans la chair. Donc ils ont envoyé kuma kape musuni. Donc il y a celui qui tue aussi la chair. Inda bomaka Jacques na acte 12. Celui qui avait tué l'apôtre Jacques dans Jacques. Aboma Étienne. Il avait tué Étienne. Aboma apôtre Béni. Il avait tué aussi beaucoup d'apôtres. Vous aurez un malin. Vous suivez attentivement. Il a tué le corps ou la chair, mais pas l'esprit. Ah ouais, ouais, pour vaincre. Ici, la bête va vaincre. Donc, à Kubundi, ça monte à Kodi, à la Mazan au centre. Il va combattre. Avec masse au centre. On l'a vraiment appelé un saint. Marata enlèvement. Mais il a raté l'enlèvement. Mais na Kodi, à la na combat na. Maintenant, il va rester combattre contre la bête. Je ne sais pas qu'est-ce que la bête va le faire. La bête lui dit
dira adore moi. Mais quand il refuse, il prend d'abord ses dents, il les coupe avec la bouche. Adoration. Tu refuses l'adoration. Donc, tu vas rencontrer la grande tribulation de toutes sortes. Bon, ensuite déjà pouvoir faire vaincre Moussant. Parce qu'il a déjà reçu le pouvoir de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et bah saint on a aussi. Et ces saints là aussi. Ils ont 144 000 contre les juifs. Ils sont aussi les 144 000 scellés d'Israël. Vous en avez là? Amen. Il y a un abaki encore. Écriture Moussous. Wana longi nanzoto. Là, il a vaincu. Mais quand il a vaincu. Mais quand il a vaincu. Il a longi nanzoto, on a verset 7. Wana tout autant. Les gens qu'il a vaincu dans la chair, au verset 7. Bango, il y en a verset 2. Ce sont eux ici qui se retrouvent au verset 2. Il y en a 4 et à Apocalypse 15. Verset 2 jusqu'à 4 d'Apocalypse 13. Et je vis 15. Comme une mer de verre. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je vis comme une mer de verre. Bien, mon mêlé de feu. Et ceux qui avaient vaincu la bête. Mais en réalité, c'est eux qui ont vaincu la bête en gardant la foi. Ah, voilà. Baboyi qu'on rejetait parole. Ils ont refusé de rejeter la parole. C'est que balongi la bête. C'est-à-dire qu'ils ont vaincu la bête. Mais la bête va les tuer dans la chair. Mais ils sont des saints. C'est ce que nous avons là. Amen. Ce qu'a bomi bango, s'il les tue, bako se quoi en Apocalypse 20, verset 4. Ils vont ressusciter dans Apocalypse 20, le verset 4. Avant millénium neba. Avant qu'il ne commence. Puis ce que nous avons là, nous nous proviendrons du ciel pour les trouver sur la terre. Vous suivez comment les choses sont écrites? Parce que tu dois savoir l'écriture telle qu'elle est. Que la grâce du Seigneur les aligne dans mon corps. Que la grâce du Seigneur soit sur chacun. C'est pourquoi il faut vaincre les lots. Il y a moins de Seigneur au long dans les lots. Au garder la foi. Que tu gardes la foi. Tina souka po. Jusqu'à la fin. Au qu'en aligne toi. Que tu sois enlevé. Po et qu'on en a aussi na basanto ma utika. Parce qu'il y aura aussi des saints qui vont rester sur la. Or les saints basanto na sanctifiés par le sang. Oh basanto bango basanto zamine na makila. Diga bolo ba que sanctification à sang. Et ce que l'égal en enlèvement. Arrête de dire que la sanctification du sang ne s'arrête qu'à l'enlèvement. Bon, on a verset 7, comment va-t-il saint? Alors, au verset 7, comment sont-ils saints? Apocalypse 13. Dans Apocalypse 13. Ils sont sanctifiés dans l'offrande Moko et Salema. Bassan, tu sais, ma caca dans l'imonza, Moko et Salema. Torani Mala? Amen. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce du Seigneur soit sur chacun de nous. Que la grâce du Seigneur soit sur chacun de nous. Ceux-là qui vont rester sont des négligents. Mais des négligents. Mais il est saint. Mais négligents. Et paresseux. Les Seigneurs voient. Tu vas rester sur la terre. Mais oui, ça très aîné. Mais celui qui est très aîné. Il est aussi saint. Celui qui sera enlevé. Mais oui, ça négligeant dans ma campagne. Mais celui qui est négligent dans ces choses. Nous ne lui refusons pas. Aza mon sang. Il est saint. Mais à motika la aza mouta verset 7 d'Apocalypse 13. Mais il va rester en tant qu'un saint d'Apocalypse 13, le verset 7. Tout travail a sa récompense. Seulement en méprisant la parole, tu vas aussi être éprisé. Seulement quand tu travailles en t'étonnant, tu aimes trop la parole. Tu t'y attaques. Le Seigneur te payera. L'enlèvement, c'est pour toi. Tu iras déjà ma colo. Ok, nous coutons à Mobaya Libala. Allez, on connaît ton amant. Il sera enlevé. Pour garder parole avec zèle. Parce que tu as gardé la parole avec zèle. Que le Seigneur Jésus ait pambolé richement. Que le Seigneur Jésus-Christ ait devenu richement. Et que la grâce du Seigneur est à la vie colonne. Et que la grâce du Seigneur soit sur toi. Zambé à bombe, vraiment. Que le Seigneur te garde.
Seigneur Jésus, merci. Merci Seigneur. Parce que Zali Moba Teli Monene. Parce que tu es un grand gardien. Ngolo na yonde sungi biso. C'est ta grâce qui nous a assistés. Yamotozo ici ma tondie pana yo Seigneur. C'est pourquoi nous te rendons des actions de grâce. Pole na yo zambe ngi sanzela ya moko na moko. Que ta lumière fasse luire les chemins de tout un chacun. Et si ka problème Zali. Là où il y a le problème. Et comment mi qui t'es chargé de nos infirmités, de nos maladies. Et tu trouves mes maquis. Passe la vie sur ma maladie, la vie sur. Et le châtiment qui me donne la paix. Paix, tout mon paix, sa vie sur qui m'y a. Et tomber sur toi, Jésus. Oui, Nicolas, là, Jésus. Y a mon azali qu'on déclare solution pour mon frère. C'est pourquoi je déclare la solution pour les frères. Pour ma soeur. Pour ma soeur. Même si elle a des problèmes à opération. Même si elle a des problèmes d'opération. Malade, on a élu, moi, et le moi, la tati, elle est bon, cette maladie disparaît de son corps. Ma combo, on a laissé au Christ. Au nom de Jésus. Situation zanimo na motema na yo zoko yoka ya. La situation qu'elle a dans son cœur et toi tu le coupes. Yano la ye na kompona Yesu Kristo. Exauce la au nom de Jésus Christ. Mbolu na yo etia kimia isika kimia zate. Que ta grâce est la paix là où il n'y en a pas. Dans le nom puissant de Jésus Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.